Shalom à tous et à toutes. Je veux aujourd'hui partager avec vous un enseignement qui est capable, si l'on y prête l'oreille, de transformer littéralement notre vision du monde. La façon avec laquelle nous regardons les autres, et en particulier notre relation par rapport à nous-mêmes. Nous vivons dans une société où est valorisée essentiellement les performances qui sont atteintes, les résultats que chacun va produire. Déjà l'enfant, à l'école, souvent est jugé par ses professeurs et malheureusement parfois même par ses parents, par ses notes, ses résultats scolaires. Le meilleur élève est celui qui a les meilleurs résultats. On ne va pas considérer les efforts de chacun, mais uniquement le résultat qu'il va produire. Et pareil toute la vie. Les gens veulent une réussite. Ils veulent une réussite financière, ils veulent devenir des grands médecins, chefs d'entreprise. C'est à travers cela qu'ils vont être jugés. Mais en fait, cette idée-là est à la base de beaucoup de nos problèmes qu'on a dans la vie. Les personnes qui vivent autour de cette idée sont sujets à la concurrence, à cet esprit de compétition. Ils vivent souvent dans le stress. On peut parfois même arriver à la déprime. Mais en fait, tout cela est lié au fait qu'ils regardent la réussite à travers cette réussite matérielle. Qui apparaît en fait que à travers des choses visibles. Mais en fait, la réalité est différente. Notre but dans la vie est d'arriver à une réussite spirituelle, à savoir servir Dieu de la façon la plus parfaite. Et quand on regarde les choses de cette optique-là, alors, tous les problèmes dont on a parlé précédemment disparaissent. Et je vais développer un petit peu. La Mishnah de Avot nous rapporte les propos de Hillel, qui avait l'habitude de dire « Imen ani li mili, si je ne suis pas pour moi, qui le sera ?»« Ukshe ani le atmi mani, et si je ne suis que pour moi, alors que suis-je ?»« Vim lo achshav et matay. » Et si ce n'est pas maintenant que je vais le réaliser, quand est-ce que cela le sera ? Et le Sfat Emet nous commente cette idée d'une façon magnifique. Il nous dit qu'il faut savoir que chacun de nous avons été créés pour accomplir une mission particulière. Une mission qui nous est propre et que nous sommes les seuls à pouvoir remplir. Chacun de nous a été façonné par Dieu d'une façon singulière. La Gemara en Brachot nous dit « Keshem sheparzufiyem shonot, kach deotien shonot » De la même manière que les visages de tous les individus qui peuplent la planète sont différents, il faut savoir que c'est le reflet en fait du fait que leur personnalité aussi est différente. Leur vision du monde est différente. Chacun possède une perception du monde d'une finesse différente. Que ce soit aussi bien au niveau aussi de la personnalité, du psychique, de l'âme. Nous avons tous, chaque individu possède des qualités particulières, des défauts même aussi, qu'il va devoir utiliser. Ces qualités qu'il va développer, ces défauts qu'il va devoir surmonter, la complexité de son être fait de lui quelqu'un d'unique, qui va pouvoir accomplir des tâches, une tâche unique. Et c'est dans cette optique que Dieu l'a créé. Il est le seul à pouvoir accomplir la mission qui lui a été donnée. Et
Dieu lui a donné exactement les forces qu'il aura besoin pour l'accomplir. De façon à ce que s'il n'accomplit pas son rôle, alors personne d'autre ne pourra le faire. Même le plus grand des sages d'Israël ne pourra accomplir ce que un homme plus simple devra accomplir, se doit d'accomplir. Et quand on voit les choses de cette façon-là, alors il n'y a plus de concurrence. Il n'y a plus de résultats. Il y a des résultats, mais en fait, ce n'est pas le résultat qu'on va pouvoir observer chez le prochain. La seule chose que nous devons faire, c'est apprendre à nous connaître, apprendre à connaître notre potentiel, les capacités que Dieu a mis en nous, et les exploiter au maximum pour devenir quelqu'un de meilleur, pour les utiliser au service de Dieu, de la Torah et des mitzvot. Dieu attend de nous uniquement que nous sachions exploiter nos aptitudes qu'il nous a données de la meilleure façon, ni plus ni moins, de sorte qu'il ne nous ait jamais demandé quelque chose que nous ne pouvons pas accomplir. C'est sur cette base que nous devons vivre. Ne jamais viser trop haut, ne jamais viser trop bas. Nous ne devons pas atteindre des résultats que nous avons en tête, uniquement ceux que nous savons que nous pouvons accomplir. De sorte que chacun de nous est en fait indispensable, unique. Mais ce n'est pas tout. La Mishnah continue. Ukshani le'atzmi ma'ani. Et si je ne suis que pour moi, que suis-je en fait? Cela vient nous dire que même si quelqu'un aura atteint une certaine perfection, il aura su exploiter le potentiel qui lui a été donné. Il n'atteindra sa réelle valeur que s'il saura aussi transmettre ce niveau qu'il a atteint, cette grandeur, pour le bien aussi de la collectivité, tout le peuple d'Israël, pour arriver en fait à un but ultime qui dépasse en fait un peu son but personnel. Le Rav Goldwirt nous illustre ça de façon édifiante. Il nous rappelle que le but ultime de tout le peuple d'Israël réuni est de façonner une couronne royale pour Akadosh Baruch Hu. Comme nous le disons dans la Tfila de Moussaf, de Shabbat, dans la Kedusha, Keteritenu lecha, Hashem Elokeinu, Malachim Amone Malaim Amecha Israel Kevutzemata. Et lorsqu'on pense à cette idée d'une couronne qui devrait être façonnée pour un roi, on peut s'imaginer tout de suite des dizaines et des centaines d'artisans qui vont se réunir de tout le royaume pour s'y atteler. Chacun va choisir la tâche dans laquelle il excelle. Et il y a des dizaines et des dizaines de tâches, que ce soit aussi bien au niveau de trouver les métaux, savoir les allier, faire des métaux qui sont aussi bien durs que brillants. Il y a aussi les pierres précieuses, les trouver dans les mines, savoir les tailler, les sertir, les perles, la doublure, les tissus, etc., etc. Et il est vrai que à ce niveau-là, chacun est indispensable. Chacun a une mission qui lui est propre. Il va devoir réaliser l'œuvre dans laquelle il excelle de la façon la plus parfaite. Il va devoir faire le diamant qu'il saura faire et personne ne pourra accomplir la tâche de l'autre puisqu'il faut atteindre une certaine perfection qu'il est le seul à pouvoir atteindre. Et à ce niveau-là, nous pouvons remarquer que chacun des détails est indispensable. Il est vrai qu'il y aura des tâches plus ou moins grandes, des responsabilités aussi plus ou moins importantes. Mais au fond, à la fin, chacun est indispensable. Parce que par rapport au résultat de la couronne, s'il manque ne serait-ce que le plus petit détail, eh bien la couronne sera inapte pour le roi. Parce que pour le roi, il faut quelque chose de parfait. Et c'est pareil à notre échelle. Nous devons nous perfectionner, de devenir des personnes meilleures, de faire briller le diamant que nous sommes, la singularité qui nous est propre. Mais il faut savoir aussi, il en est pareil pour chacun de nous. Chacun de nous est indispensable
dans ce but ultime de couronner Dieu, de montrer à tous les peuples sa grandeur et sa splendeur. Et lorsqu'on revient à cette idée de la couronne, nous pouvons aussi constater une autre idée. Si un de ses artisans, disons le diamantaire, aurait décidé qu'après qu'il ait façonné un si beau diamant, il l'a taillé de la façon la plus parfaite, il se dit, ben, je crois que je vais le garder pour moi. Ben, tout le monde comprend qu'il aura fait, en cela, le plus grand gâchis de sa vie. Au lieu d'utiliser ce potentiel qu'il avait pour faire quelque chose de magnifique, et ensuite donner cette œuvre au profit d'une œuvre qui va dépasser de loin ce qu'il peut faire lui-même, d'atteindre ce grand couronnement, de faire partie de ce projet, eh ben, il l'aura diminué à quelque chose qui va rester un peu égoïste, un peu nul et non avenu. C'est pareil aussi pour chacun de nous. Même si nous avons appris à nous perfectionner, à devenir des gens meilleurs, il faut aussi sortir un peu de nous-mêmes pour savoir que nous, chacun des enfants d'Israël, nous devons nous réunir parce que nous sommes une seule et grande famille pour ce but de faire grandir Dieu autour de nous, partager ce que nous vivons, ce vécu, cette Torah, avec les autres. Et déjà au don de la Torah, nos saints nous enseignent que les 600 000 âmes que comporte le peuple d'Israël étaient tous présents, nous étions tous présents au don de la Torah. Chacun a reçu la Torah de sa propre volonté, de son plein gré. Chacun de nous a reçu les mêmes commandements, les mêmes préceptes. Mais cependant, chacun a reçu une perception différente de la Torah. 600 000 commentaires par rapport à ces 600 000 âmes. Chacun a reçu une vision, une finesse de compréhension qu'il est le seul à pouvoir dévoiler. Au point même que le Rav Chaim Vital, un des plus grands talmidim du Harizal, le Ari HaKadosh, nous dit que l'essentiel de la venue d'un homme sur terre est précisément de dévoiler cette partie de la Torah qu'il est le seul à pouvoir réaliser. C'est ce que nous disons dans nos prières à plusieurs reprises. « Veten chelkenu betoratecha »« Daika » Donne, nous prions à Hachem, donne notre part de la Torah. Notre part qui nous est propre, que nous sommes le seul à pouvoir dévoiler. Mais ce n'est pas tout. Malgré ce côté singulier que nous avions même au don de la Torah, nous pouvons remarquer que parmi les 42 voyages des Béné Israël dans le désert, celui du don de la Torah est le seul où ils ont atteint l'unité la plus parfaite. Le verset nous dit « Vaïchan sham Israël negadar » Israël campa en face de la montagne, du mont Sinaï. Et Rashi nous commente ce langage singulier, « Campa, Israël, campa » que les Béné Israël étaient à ce moment-là « Ke'ish echad belev echad » comme un seul homme, d'un seul cœur. Pour nous signifier que c'est uniquement en se réunissant de la sorte que les Béné Israël ont pu créer ce keli, ce récipient qui va pouvoir être digne de recevoir la Torah. Ce grand cœur qu'ils ont construit est celui, le seul qui va pouvoir être assez grand pour accepter et transmettre cette vérité, ce message divin que Dieu a voulu nous offrir. De la sorte que chacun de nous, malgré sa singularité, a dû former quelque chose d'unique avec tout le peuple d'Israël. Le Zohar nous dit qu'il y a 600 000 âmes en relation avec les 600 000 lettres de la Torah. Chacun correspond à une lettre. Chacun va devoir dévoiler une partie de cette Torah. Mais nous savons aussi qu'un Sefer Torah n'a de valeur que s'il est complet, que s'il est entier. Une lettre de la Torah n'a pas
Bifnei Atzma, en soi, n'est pas encore un Sefer Torah. La Halakha nous-mêmes nous prescrit qu'un Sefer Torah auquel il manquerait ne serait-ce qu'une seule lettre, c'est un Sefer Torah pasoul. C'est un Sefer Torah qui est inapte à remplir son rôle. Et nous retrouvons cette idée même aussi depuis la naissance du peuple d'Israël. Depuis la promesse de Dieu à Avraham Avinu, notre patriarche, lorsqu'il lui dit que sa descendance sera nombreuse et formera les enfants d'Israël, il lui dit « Et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme ces grains de sable qui forment les plages. » Cette dimension de multitude a été exprimée de deux façons. Comme les étoiles du ciel et comme ces grains de sable qui forment les plages. Les étoiles sont en fait un monde apparent. Un monde en soi. C'est quelque chose d'énorme. Savons que beaucoup d'étoiles sont en fait beaucoup plus grands que des soleils. Cela vient signifier la particularité, la singularité de chaque juif, de chacun des descendants d'Abraham, des individus du peuple d'Israël, qui est unique, qui va le pouvoir remplir, qui est le seul à pouvoir remplir son rôle. Mais d'un autre côté, Dieu vient nous rappeler que nous sommes aussi comme ces grains de sable qui forment les plages. C'est-à-dire un grain de sable qui, quand on le prend, on l'isole, eh ben, il n'a plus aucune valeur. C'est uniquement lorsqu'il va se réunir avec les autres qu'il va pouvoir former quelque chose qui va atteindre son rôle. Il en est pareil pour nous. C'est uniquement lorsque nous saurons que cette singularité n'a de valeur que si nous nous réunissons tous ensemble. Pour comprendre que nous formons une seule et grande famille qui devons révéler la grandeur de Dieu, c'est là que nous aurons atteint notre but. Si un individu a compris la grandeur de la Torah, la grandeur des mitzvot, s'il a atteint ce niveau où il comprend que le plus grand bonheur de la vie est en fait celui de servir Dieu avec ferveur et avec son cœur, eh ben il ne doit pas garder ça uniquement pour lui. Il doit aussi savoir le crier sur tous les toits, savoir le dire à ceux qui l'entourent, à tous les juifs. Savoir se réunir autour de cette idée, et c'est à travers ça que nous allons reconnaître et faire connaître la grandeur, la bonté d'Akadosh Baruch Hu. L'amour qu'il a envers nous et celui que nous avons envers lui est une des plus belles expériences, des plus belles choses que nous pouvons vivre sur Terre. Et je nous souhaite que Bezrat Hashem, nous pourrons couronner Akadosh Baruch Hu aux yeux de toutes les nations. Nous pourrons nous réunir autour de cette idée, de cette ambition que chacun de nous porte en lui et que rapidement pourra s'accomplir la prophétie du Navi Zecharia « Ve'aya Hashem le Melech al kol ha'aretz, bayam ha'u, yeh Hashem echad, ushmo echad ».